Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau journal créatif. Peut-être qu'on est un peu près, vous et moi. Voilà, alors, bienvenue dans cette vidéo qui est approximative comme celle de la semaine dernière, puisque je suis toujours sur un tournage au téléphone et plus à l'appareil photo comme d'habitude, puisque pour ceux qui ont suivi... Je n'ai toujours pas d'ordinateur. Le réparateur ne m'a pas encore donné de nouvelles. Je ne sais pas si mon ordi est foutu ou réparable. J'ai très 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 peur, hein, puisque pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi, mon ordi a grillé le 31 décembre au soir et le réparateur est assez pessimiste sur ce genre de panne. Mais il va voir. L'avantage, c'est que comme je filme au téléphone, bon alors l'inconvénient, c'est que je ne vois pas comment je suis cadrée. J'ai juste, voyez-vous, pour vous dire tous les backstage, un vague reflet dans ma télé. Donc je vois que je suis visiblement à peu près dans le cadre. Je ne vois pas comment je suis coiffée, je ne vois pas mes boutons. C'est très bien, comme ça je ne suis pas focus dessus parce que j'en ai dont un là sous le nez que je n'arrive pas à faire partir et qui m'énerve, que je trouve très moche. C'est pas grave, on est par là pour parler de boutons. Bienvenue ou re-bienvenue. Si vous arrivez sur la chaîne, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? N'importe quoi. Oui, il faut suivre un peu. Il faut suivre, il faut aller voir les anciens journaux créatifs. Il faut suivre un petit peu. Voilà. Nouvelle semaine créative, nouvelle semaine filmée sur le téléphone parce que montage sur le téléphone, c'est ça que j'avais pas fini dans ma phrase précédente. Ça va être compliqué. Parce que j'ai essayé, je vous avais dit que j'avais filmé des plans. Pendant les vacances de Noël pour vous faire des vidéos, j'ai essayé de les filmer sur l'ordinateur, donc qui est un ordinateur familial portable que j'ai emprunté du coup à ma famille. Le temps d'avoir éventuellement récupéré mon ordi ou d'en avoir un autre. Et c'est moi je travaille, enfin je suis sur Mac d'habitude et je monte avec un logiciel de montage que j'ai acheté ou au pire avec iMovie. Et là c'est un PC HP assez vieux. Et il n'y a pas de logiciel de montage vidéo intégré et je n'ai absolument rien trouvé de gratuit sur internet qui aille. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que j'avais même pas une exigence extrêmement élevée en matière de montage, mais j'ai rien trouvé, ça n'allait pas quoi. Le seul logiciel gratuit que j'ai trouvé qui permettait de faire du cut et un peu de transition machin, il permettait pas de mettre des titres. Comment vous voulez que je vous fasse des vidéos si je peux pas vous écrire le nom des patrons quoi? Donc au grand mot, les grands remèdes, j'ai fait du ménage dans mon iPhone, qui heureusement est un iPhone 256 Go, qui était pratiquement plein. Et j'espère que vous m'entendez parce que j'ai mis mon écouteur pour que ce soit meilleur, mais il y a mes cheveux devant. C'est vachement intelligent, Manu. Merci pour ta grande lucidité d'esprit. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc ça n'allait pas, donc j'étais très frustrée, énervée, tout ce que vous voulez. Donc au grand mot, les grands remèdes, j'ai fait de la place sur mon iPhone. Je me suis transféré les fichiers de l'ordi sur le téléphone en passant par WeTransfer pour pouvoir transférer des grosses pièces jointes de plusieurs gigas. Et je fais le montage sur mon téléphone puisque sur mon iPhone j'ai iMovie, mais moi je préfère utiliser InShot que j'ai l'habitude d'utiliser depuis des années et qui est vraiment très bien. Je trouve ça incroyable que les applications télé de montage soient plus performantes que les logiciels. C'est complètement fou. Enfin, je veux dire, quelle est la part de praticité de faire un montage vidéo sur son téléphone? Aucune. On a un truc grand comme ça. Enfin, bref. Bref. Conclusion. Je vous ai monté. Donc, pour cette semaine, j'avais filmé le journal créatif sur le téléphone. J'ai monté sur le téléphone. J'ai réussi à vous le publier. Heureusement que j'ai un iPhone, parce que si j'avais un téléphone pourri et pas très performant, je crois que là, vous oublieriez totalement les vidéos. J'ai pu donc monter la vidéo boîte de bas. Que j'ai donc monté sur mon téléphone qui est pré-programmé sur YouTube. Je voulais programmer pour demain matin, mardi. Ah, mais je vous ai même pas dit, on est lundi 9 janvier. Je vous dis, ma charge mentale et ma préoccupation mentale du moment, elle est tellement énorme que c'est-à-dire que j'arrive pas à gérer entre le débit mental et le débit de la parole, ça ne corrèle pas du tout. Veuillez m'excuser, vous avez l'habitude. Donc j'ai programmé cette vidéo pour demain matin mardi. Je ne savais pas quel était le plus pertinent pour vous. Mardi matin, mardi soir, mercredi matin, mercredi soir. Je ne savais pas. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien regarder en même temps que leur petit-déj. Je me suis dit mardi matin peut-être.
Après, mardi soir en rentrant du boulot, mercredi c'est la journée des enfants, vous avez peut-être pas de temps, je sais pas. Et donc je vais essayer de monter la vidéo sur mon carnet créatif et vous la publier, je pense, vendredi matin. Je ne sais pas si le matin c'est très pertinent, si vous préférez le soir. En tout cas, je pense que je vais vous la publier vendredi matin. Je n'ai pas encore fait le montage et là, j'espère que mon téléphone va tenir la route. On est parti sur une semaine de journal créatif. Sur le téléphone. Donc encore une fois, je n'aurai pas de patron. Je ne pourrai pas vous faire de sélection de patrons et de vidéos que j'ai regardées. Pourtant, j'en ai regardé plusieurs. Parce que bah, faudrait que j'ai l'ordi en parallèle et tout. Enfin, c'est très compliqué. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Voilà. D'autant plus que généralement, quand je communique entre mon iPhone et mon Mac, je communique par AirDrop, ce qui est extrêmement pratique. Là, avec un vieux PC, il faut que je communique par mail. Enfin bref, c'est une plaie, quoi. Donc non. Voilà pour ce que je voulais vous dire dans l'intro. Bienvenue, re-bienvenue. Je sais même plus si je vous l'ai déjà dit ou pas. Je ne vois pas comment je suis coiffée. C'est très bien. C'est très bien. Comme ça, je ne suis pas focus sur mes cheveux. Petit point tricot. Alors, je suis en ce moment sur 4 trucs en niveau tricot. Je suis sur la couverture Woodside Christmas Blanket que je vous ai montrée, dont mon objectif est de faire 4 rangs par jour si j'y arrive. Si c'est 2 rangs, c'est 2 rangs, c'est pas la fin du monde. Je vous la montrerai pas aujourd'hui parce que je vous la montre en fin de semaine uniquement pour voir la progression. Ça, c'est mon projet au long cours. Je suis sur le test du pull Gjaer pour Lucienne Tricote. Là, je vais vous le montrer parce que j'ai pas mal avancé ce week-end. J'avais envie de passer une certaine étape en fait pour arriver à un endroit où je vais pouvoir faire un peu de zéro cerveau parce que j'en avais trop marre d'avoir que des projets en aller-retour. Je suis sur un autre test, le gilet bourgeon d'avril de Virginie, un amour de laine. Lui, il faut absolument que je carbure parce qu'il est beaucoup plus long à tricoter que le Gjaer. C'est rigolo, il se tricote, enfin je le tricote avec les mêmes aiguilles que le Gjaer, sauf qu'il me paraît tellement plus long à tricoter, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de dentelle, etc. Puis je suis dans les raglans, donc les rangs sont de plus en plus longs. D'ailleurs, je me suis fait tirer les oreilles par Virginie parce que j'avais pas donné de nouvelles depuis hyper longtemps. Elle a raison, elle a complètement raison. Voilà, je comprends que les designers sont un peu furax contre les testeurs qui donnent pas de nouvelles. Je pense que la dernière fois que j'ai donné des nouvelles, ça devait être avant que je tricote mes cadeaux de Noël, donc ça devait peut-être être genre, je sais pas, en novembre, ou début novembre peut-être. Et depuis, j'avais pas donné de nouvelles, et là, comme je suis dans les raglans, que c'est toujours la même chose, j'ai pas de remarques à faire. J'attendais en fait d'avoir fini mes raglans pour dire coucou, je suis encore vivante, et là, elle m'a un peu houspillée, et elle a raison. Parce que déjà il y a plein de testeuses qui ont fini leur gilet. Après moi je fais une grande taille, hein. Faut pas oublier non plus que les gens qui font du 85 cm de tour de buste, bah, ils ont un peu moins de mailles sur leurs aiguilles. Mais je suis pas en avance, hein. Je suis pas en avance. Faut que je carbure, j'aimerais bien finir les raglans cette semaine. Je sais pas si c'est possible, parce que c'est très très long. Maintenant j'ai la dentelle bien en tête, voilà. Je vous l'ai dit, hein, c'est pas du tout un patron pour débutants, pas du tout. Et je ne vous cache pas que la manière dont il est rédigé, c'est assez peu intuitif pour moi. Alors, c'est très clair. Il y a beaucoup de détails, tout ça, mais il y a des points qui, moi, m'ont questionné. Il a fallu que je réfléchisse. Pour le diagramme, alors je ne peux pas vous le montrer, parce que évidemment, je ne vais pas vous le montrer, mais j'ai dû me refaire moi-même un propre montage à l'ordi pour avoir un diagramme qui correspond à quelque chose qui soit facile d'utilisation pour moi. En gros, pour vous, vous allez dire, mais alors le diagramme est pourri. Non, pas du tout. C'est juste que moi, j'avais besoin d'un autre support. En fait, imaginez-vous que vous aviez un diagramme continu, donc un grand diagramme dans lequel il y a 3 sections. Le diagramme est numéroté, j'en sais rien, de 1 à 100 rangs. Je sais plus, pas combien, je sais plus, une centaine de rangs peut-être. Et en fait, dans genre, je sais pas, de 1 à 25, c'est la première section. De 25 à 60, c'est la deuxième section. Et de 60 à 100, c'est la dernière section, admettons, dans votre diagramme. Et en fait, à un moment, il faut répéter le diagramme du milieu, donc genre de, je sais pas, je dis n'importe quoi, du rang 25 au rang 60, jusqu'à avoir, j'en sais rien, 150 rangs, je dis n'importe quoi. Sauf que du coup, moi, c'est dans ma tête, ça va pas du tout. Si t'as un diagramme qui est numéroté de 25 à 60 et qu'à côté, il faut compter de 1 à 100, enfin. Non, 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 non. Donc moi, j'ai fait une copie d'écran du morceau du diagramme qui m'intéresse. Je l'ai collé pour me le renuméroter, que ça corresponde avec le nombre de rangs qu'on me demandait. Et du coup, si je sais qu'il faut que je fasse 120 rangs, et ben mon diagramme, il est numéroté de 1 à 120. Et je sais que je vais jusque-là, et c'est beaucoup plus clair. Sinon, je m'embrouillais, mais à fond les ballons.
Enfin voilà, ça n'allait pas du tout. Et c'est ce genre de choses qui fait que pour moi c'est pas intuitif, mais pour d'autres ça l'est. C'est pareil, il y a un truc qui dit attention, faites ci tous les deux rangs et c'est marqué juste en haut, tout ça. Enfin, c'est clairement l'info que moi je peux zapper complètement. Ou je sais plus ce que je vous avais dit aussi qui n'était pas très intuitif pour moi. Ah, c'était le début des augmentations. Moi j'avais pas compris. En fait, la manière dont c'était formulé, c'était clair, mais c'était pas limpide pour mon cerveau. En fait, le patron est très bien, c'est juste que je pense que je n'ai jamais tricoté encore de patron qui soit écrit de cette manière-là. Et du coup, il y a eu plusieurs points qui m'ont posé des questions. Après, par exemple, vous voyez, chez Élise et Lucienne Tricote, c'est hyper limpide. Je ne me pose jamais de questions, ça coule tout seul. C'est écrit de la manière dont moi j'ai l'habitude peut-être, et que mon cerveau comprend direct. Là, c'est un peu autrement, faut faire preuve de neuroplasticité aussi, c'est un très bon exercice. Mais voilà, enfin clairement c'est pas un patron que je vous recommanderais pour les débutants du tout. Du tout. Moi je pense que c'est un patron pour intermédiaire avancé, ce patron-là. Bref, donc ce test de gilet que je n'avance pas beaucoup, mais que là je vais avancer en fait. Que je vais avancer cette semaine à fond. Et j'ai un cadeau en cours de route, mais je ne vous le montrerai pas tout de suite. Et donc mon objectif cette semaine, c'est de faire toujours les 4 rangs de ma couverture tous les jours. De faire un jour sur deux le Gjaer et le bourgeon d'avril pour avancer les deux tests, sachant que maintenant le Gjaer, je vais être dans une étape de jersey tout simple. Donc c'est le genre de truc que je peux avancer au tricoté. Donc sur les moments où j'ai du temps de tricot avec du cerveau disponible, je vais tricoter le bourgeon d'avril. Continuer un petit peu le cadeau quand j'ai des petits moments par-ci par-là. Ma chaussette fil d'art, je pense que je vais la mettre en suspens pour un petit moment. J'ai pas encore monté la deuxième, je vous ai montré la première. Je vais la laisser un petit peu de côté. Et voilà. Et voilà. Et quand j'aurai fini mes deux tests, j'aimerais bien faire comme Eve, c'est-à-dire numéroter tous mes sacs à projets que je vous ai montrés la semaine dernière. Visiblement, ça vous a beaucoup plu. Alors, j'ai pas des trucs à vous montrer comme ça toutes les semaines. Hein. Clairement, là, on est dans du face cam, blabla. Voilà, j'ai pas des sacs à projets à vous montrer toutes les semaines à ranger, tout ça. Je vais essayer peut-être de trouver d'autres trucs à vous montrer, mais je sais pas trop quoi. Enfin, quand je vois les vidéos de Eve, je trouve ça hyper inspirant. Moi, je ne m'inspire pas trop personnellement. Voilà. Donc, je pense numéroter mes sacs à projet et faire un random, genre. Alors, pas tous les jours, parce que sinon, ça avancera pas assez, mais genre tous les deux jours. Voilà, je tire tel numéro, pendant 2 jours, j'avance que ce projet. Je tire un autre numéro, pendant 2 jours, j'avance que ce projet, etc., etc. Pour venir à bout de certains en cours parce qu'il y en a qui sont bien avancés. Mais la priorité, c'est mes deux tests qui doivent être finis, l'un pour mi-février, l'autre pour fin février. Donc, il faut se manier le popotin. J'ai beaucoup parlé, je ne sais pas combien de temps. En plus, j'ai l'impression que c'est très confus parce que je pense à mille trucs en même temps que je vous parle. La seule chose que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est l'avancée. Ouh là là, je fais tout tomber. On est bien. L'avancée de mon Gjaer de Lucienne Tricote, donc que je tricote dans un fil, je vous l'avais dit, Mayflower que j'ai acheté chez Hobby, qui est moitié mérino, moitié coton, d'épaisseur entre sport et fingering, mais comme moi je tricote serré, j'ai un échantillon fingering. Et quoi, et quoi, et quoi? Et bah rien, c'est un pull avec une grande encolure carrée. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'encolure, donc vous allez trouver ça très bizarre. Quand je vous avais laissé, il me semble que j'avais fait le dos et c'est tout. Non? Il me semble que j'avais fait le. Parce qu'en fait, on tricote du coup un bout du dos et après on raccroche les deux demi devant et on rejoint, puisqu'il faut former l'encolure. Il me semble que j'avais fait. J'avais même pas fini le dos peut-être quand je vous l'ai montré dans le dernier journal créatif. Et là, bien ce week-end, j'ai fini le morceau du dos, j'ai fait les deux demi devant. J'ai rejoint les demi devant, j'ai rejoint en rond et là j'en suis à l'étape du jersey. Alors je ne sais pas trop si vous voyez bien, mais voilà, j'en suis. Alors mon câble est tout petit, donc c'est pour ça que ça paraît tout rabougri. L'encolure paraît gigantesque parce que forcément, bah là elle n'est pas faite, elle est accrue. Il faudra la faire. Je pense que je vais peut-être finir ma pelote qui est bien entamée, tricoter la deuxième pelote sur le corps. Comme ça, après, je pourrais faire l'encolure et essayer le pull pour avoir un bon vide rendu un bon visuel du rendu, puisque l'enjeu de ce pull, c'est l'encolure. Et il y a des testeuses déjà qui ont fait l'encolure et qui ont dû défaire parce que ça n'allait pas. Enfin, voilà, il faut faire attention à l'encolure, c'est pas un truc vite fait, mal fait, quoi.
Donc je pense que mon objectif cette semaine, si j'y arrive, ce serait de tricoter deux pelotes sur le corps. Je ne suis pas sûre d'y arriver parce que deux pelotes, ça me paraît beaucoup. Ce sont des pelotes de 300... Non, pas du tout. De 175 mètres, je crois. On verra. On verra. Voilà, maintenant lui, il va avancer en rond tranquille. J'aime beaucoup la couleur. Et voilà, c'est tout. Bon, bref, on va pas délayer la sauce plus longtemps. Je crois que j'ai assez parlé. Je me demande si on n'est pas un peu loin. En vrai, comme ça, je sais pas. Ah, je vous ai pas dit ce que je porte. Ça me fait penser, je le vois vaguement dans le reflet de la télé. Je porte mon ranunculus que j'ai fait en mohair simple de chez Drops, de la Kid Silk, mais en beaucoup moins déjaugé que le patron initial, puisque le patron initial se tricote en 6 et moi je l'ai tricoté en 4 et demi, je crois. J'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce qu'il n'est pas trop chaud, il est bien, il a des manches 3 quarts, il est cool. Là en ce moment il fait très doux, donc il est parfait. Et j'aimerais bien m'en refaire un autre. Il me semble que c'était le coloris framboise de la Kid Silk. Voilà, bon, je sais pas combien de temps j'ai parlé, j'ai pas de retour, donc je vois plus rien, ni ma tête, ni si je suis bien cadrée, ni quoi, ni qu'est-ce. Visiblement, vous me voyez de... Je me rends pas compte. Ma main, elle fait quoi? Je vois pas ma main. Ah, de là à là, peut-être. Je vois pas ma main. Ah si, là, de là à là, je sais pas. Je vois vaguement dans le retour de la télé. Bref, c'est assez perturbant. Je vous laisse, j'espère que c'est pas trop mal cadré, j'espère que le son sera pas trop mauvais avec mes cheveux sur l'écouteur. Et à la prochaine, je sais pas quand. Si j'ai des trucs intéressants à vous filmer, bah je vous filmerai. Si je n'ai rien d'intéressant à vous filmer, je ne vous filmerai rien, voilà. Bon, la luminosité est un peu pourrie, mais je voulais vous montrer, je suis en train de ranger les laines que j'ai reçues pour les velaineux, pour le calendrier de la vente de laine de mout, tout ça. Je ne l'avais toujours pas fait et je voulais vous montrer, regardez. Les beautés que j'ai reçues, ça c'est que les velaineux et les calendriers de l'avent des tricopines. Donc ça c'est les trois écheveaux de Ève, les deux pelotes de Isager, les quatre pelotes de Moer et ces quatre pelotes là de laine à chaussettes. C'était dans le calendrier de l'avent de mon amie Justine. Ça, c'est de la teinture à la main, c'est de la laine à chaussettes, c'est Marion qui m'a teint cet écheveau qui est magnifique. Et ça, c'est Alison qui m'a offert, une tricopine qui m'a offert deux pelotes de laine à chaussettes. Regardez, ma foi, comme c'est beau. Tiens, et regardez, j'en profite pour vous montrer. Je porte mes chaussettes Lalet de Marie-Amélie et elles sont trop trop bien. Le seul truc, c'est que elles sont un peu petites. En termes de largeur de tige, ça tire un peu. Et c'est pas le premier constat que je fais là depuis que je mets mes chaussettes de ma boîte de bas 2022. C'est que 60 mailles en largeur de pied, c'est parfait. Vous voyez, elles me sont hyper bien. Elles me vont hyper bien au pied et tout. Mais 60 mailles en largeur de mollet, c'est un petit peu trop petit. Donc je me demande s'il ne faudrait pas que je fasse 60 mailles en largeur de pied, parce que c'est vraiment le truc qui me va parfaitement bien, et 62 mailles en largeur de tige, rajouter 2 mailles après le talon. Alors sur certains modèles ça sera plus facile que sur d'autres, mais j'ai réfléchi parce que là franchement j'ai presque du mal à les enfiler hein, au niveau du coup de pied et du mollet, mais au niveau du pied c'est nickel. Allez, sur ce, à tout de suite parce que je vais vous montrer le calendrier de l'avent de laine de mou. Alors voilà le calendrier de l'avent de laine de mout au grand complet. Je suis un peu bête parce que je viens de me rendre compte que je me suis cassé la tête à essayer de me rappeler l'ordre des coloris en fonction de leur nom, alors que j'ai collé les numéros sur les étiquettes. Oui Manu, mais oui bien sûr. Bref, donc on va pouvoir vérifier que l'ordre est bon avec les numéros des étiquettes. Je vais vous les montrer dans le détail. C'est très joli vu comme ça. Même si là, je trouve que c'est trop beige, neutre. Là, j'ai grande préférence pour les 6 premiers mois qui sont plus colorés. Vous voyez, ça c'est vraiment flagrant, je trouve. Alors, on démarre. Le premier kit, ouais, c'est ça, c'était flocons glacés. C'est canon. C'était janvier. Février, c'est nuit d'hiver. Je peux les mettre comme ça maintenant que... Mars, c'est primevère sauvage. C'est très beau aussi. Avril, c'était chercher les œufs.
Mais c'était fais ce qu'il te plaît. Juin, alors là c'est mon préféré de tous les temps, le mois de juin, c'est Retour du soleil. C'est trop trop beau. Voilà les 6 premiers, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juillet, c'était Fête nationale. Août, c'est cocktail sur la plage. Là, je suis un peu déçue qu'il ne soit pas vachement plus peps, le cocktail sur la plage. Septembre, c'est les feuilles tombent, c'est l'automne. Là, je regrette vraiment qu'il n'y ait pas des couleurs style été indien, canadien. Donc, du rouge chaud, du orange chaud. Octobre, monstre et citrouille. Ça, il est très sympa. Novembre. Au coin de la cheminée, ça je l'aime beaucoup, même si j'aurais préféré un mini bien orange, orange braise quoi, pas jaune comme ça. Et décembre, c'est Christmas Berry et il est très beau aussi. Et voilà ce que ça donne dans son ensemble. Ma foi, c'est très joli. Maintenant, il va falloir tricoter tout ça. Et bien, au boulot! Du coup, j'étais en train de ranger mon stock de laine à chaussettes pour y intégrer le calendrier de laine de mout. Et bah évidemment, j'ai replongé dedans et j'ai des petites beautés que je voudrais vous montrer. Alors non, je ne vous montrerai pas l'intégralité de mon stock de laine à chaussettes, c'est beaucoup trop indécent, je n'assume pas du tout. Par contre, je peux vous montrer quelques beautés. Là, ce ne sont que des écheveaux de chez Tricot et Stitch et je pense que ce ne sont que des écheveaux d'almanach de la tricoteuse de chaussettes de cette année ou de l'an dernier. C'est tellement beau. Ça. C'est Beach Sunset. Celui-là, il est canon aussi. Ça, c'est Season of the Witch. Celui-ci, c'est Mabon. Celui-ci m'a été offert par mon amie Dame Florette. Et c'est Clafou Cake. Il est absolument magnifique. Celui-ci, c'est le coloris Dream Knitting Retreat, qui est canon. Et celui-ci. Ces journées d'été. Ben, je pense que c'est tous des almanachs de cette année. Ils sont trop trop beaux. Bon, faut plus que j'en achète des almanachs avant d'avoir tricoté ça parce que c'est pas possible. Mais vous voyez la palette de couleurs là, entre un peu de fluo ici, un peu de rose et que des couleurs chaudes. J'adore. Bon, je continue mon rangement et je vous montre la suite de mes pépites. Bon, j'ai aussi pas mal de kits de chez The Woolies Kind parce que vous savez que j'adore The Woolies Kind. C'est une des premières teinturières, je crois, chez qui j'ai dû commander. Et bah, j'ai commandé des kits à chaussettes. Ça fait plusieurs années que je les collectionne. C'est vrai que j'en ai tricoté aucun, tellement je les trouve beaux. Mais il faudrait, parce que là, ça ne va plus. Regardez-moi ces beautés. Alors là, on a le soleil qui se pointe un petit chou. Je ne sais pas trop la luminosité, ce que ça va donner. Celui-ci, c'est Cersei et James. C'est très très beau. Celui-là, dont j'aime beaucoup les nuances avec du bordeaux et tout, c'est Hansel et Gretel. Celui-ci, mon Dieu. Qui est tellement beau. Alors je ne me rends pas trop compte niveau luminosité ce que vous avez. Hein. C'est Elvis et Priscilla. Celui-ci que j'adore, qui est aussi canonissime. C'est César et Rosalie. Celui-ci qui est complètement dans mes couleurs. C'est Maona et Maori. Et celui-ci qui est dans les tons bleu, vert. Oui, bleu-vert, un peu moins dans mes couleurs, mais c'est très très beau tout de même. Ce vert qui tire un peu vers l'émeraude, c'est magnifique. C'est Olive et Tom. Voilà l'ampleur des dégâts. Non, mais ça suffit, hein. Il faut arrêter d'acheter de la laine chaussette à un moment donné. Alors, j'ai aussi ces beautés-là. Regardez comme c'est beau. Bon, on est tous dans les mêmes tons de couleurs à chaque fois, hein, mais j'avais acheté chez Petite Bout de Laine qui a arrêté son activité de teinturière. C'était le coloris Sakura dégradé. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est que ça faisait des sortes de rayures, mais qui partaient en dégradé. Et franchement, ça, c'est trop beau. Ça, j'avais acheté chez Woolbags. Il y a de la stellina dedans. Et c'est le coloris Crayola, je crois. Oui, c'est ça. Et j'aimais beaucoup le nuance de couleur. Ça, c'est un écheveau que j'avais eu à mon anniversaire qui avait été acheté chez Laine et Tricot. C'est de la Ding Fibers. Voilà. Ça, c'est un écheveau qu'on avait eu, je crois, dans la box du fil à retordre et que je n'avais pas tricoté de une louve dans les bois. Et franchement, c'est beau. Je suis pas sûre que vous ayez exactement les bonnes couleurs, mais bon, ça va. Ça aussi, c'est un écheveau que je trouve mais tellement beau.
qu'on avait eu dans la box du fil à retordre et que je n'avais pas tricoté quand on l'avait eu, c'est le coloris Sakura de La Fée Fil. C'est tellement beau. Et ça aussi, c'était un petit kit pour faire des sockets qu'on avait eu dans la box du fil à retordre que je n'avais pas tricoté de chez La Fée Ballot. Et est-ce que ça a un nom dans les prix. Voilà, voilà, regardez-moi. Regardez-moi ces beautés. Là, on a des beautés de chez Lichen & Lace qui ont aussi été achetées chez l'année tricot et qui m'ont été offertes à mon anniversaire cette année. Enfin, l'année dernière, du coup, en 2022. Regardez-moi ces couleurs, j'adore. C'est le coloris Wildflowers, le coloris Faded Rose et le coloris Rhubarbe. Oh, c'est très, très beau. C'est très, très, très beau. Ensuite, j'ai des beautés de chez Le Bruit des Aiguilles. J'avais acheté cet écheveau que je trouve absolument sublime. Il faut absolument que je le tricote. C'est le coloris Photo Météor. Et en fait, ça fait des rayures un petit peu dégradées. Enfin, vraiment, j'adore, j'adore un peu arc-en-ciel. Et j'ai des boulettes. Et j'adore les boulettes, je vous l'ai dit. Celle-ci, c'est New Slang, qui est très beau. Celui-ci, c'est une recherche de coloris que je trouve très beau. Ça aussi, c'est une recherche de coloris que je trouve magnifique. Et ça, c'est un coloris de Noël que je trouve très très beau. Ça encore, ça va faire des petites pépites. Ensuite, j'ai ces beautés-là. Ça, ce sont deux kits de ma petite laine boutique. Je me rappelle même plus quand j'avais acheté celui-ci. Celui-ci, c'est le reste, vous savez, de mes chaussettes fluo arc-en-ciel. Il y avait deux kits dans la... C'était le club d'été. Et donc ça, c'est Milkshake and Cadillac. C'est la version pastel du coloris arc-en-ciel fluo que j'ai tricoté en 2022. Et ça, c'est tellement beau. C'est matin de printemps. C'est magnifique. Et ça, rappelez-vous, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. C'est de la Lazy Lion. Alors, on n'est pas sur de la teinture main, mais on est sur... Enfin, si on est sur de la teinture, je sais pas comment d'ailleurs, on n'est pas sur de la teinture main. Enfin bref, on est sur un très très bel écheveau de Lazy Lion, c'est beau ça aussi. Hein. De chez Crème Queue du coup, c'est très 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 beau. Et pour finir, avant de parler de reste ou de mini, j'avais acheté chez Artemisian, c'était la première fois que j'ai acheté chez elle, ces deux écheveaux de 50 grammes cette année. Et ils sont trop trop beaux, regardez cette petite beauté. Ça, c'est le coloris Celebration ou Célébration, je ne sais pas comment elle dit. Et ça, c'est le coloris Evanescence. C'est beau, hein. C'est très, très, très beau. Au niveau des restes de laine à chaussettes de teinturière indépendante, j'ai ça. C'est de la IDID de ma paire de chaussettes que je porte aujourd'hui. Je vous ai montré les lalets de Marie Amélie Designs. Ça, c'est des mini, je crois, de chez Arco Iris, et ça c'est de la Tricot et Stitch, ce sont mes lundi textures que j'ai faites avec, et j'ai largement de quoi refaire encore des chaussettes avec ces restes que je conserve précieusement. Sinon j'ai aussi ça, alors ça j'avais oublié, ça c'est un écheveau de la Fée Ballot que je trouve magnifique, c'est le coloris Joy dans la base High Twist, je trouve très beau. Et ça, c'était tout des mini qui étaient censés aller dans le Técal Plaid Santé, si vous vous rappelez, c'était un cal organisé par la Fée Ballot pour se perfectionner au crochet tunisien, qui a démarré en mai 2021 et qui s'est terminé, je crois, en septembre 2021, un truc comme ça. Et j'ai toujours pas fini. Et je ne mettrai pas tous ces beaux mini dans mon plaid de santé qui me gonfle un max. Je vais faire beaucoup moins de carrés que prévu et j'ai fini avec des laines qui ne sont pas des laines de la Fée Ballot. Par contre, comme c'est de la laine à chaussettes, eh bien, je garde tous ces mini. Pour les utiliser dans des chaussettes, justement, ça fait plein de beaux mini, c'est plein de coloris de 20 grammes. Et après, au niveau des mini, j'en ai pas mal. J'ai déjà ces trois là qui sont des mini du Bruit des Aiguilles. Donc, ça, c'est le coloris violet, ça, c'est le coloris Flower Child que j'aimerais beaucoup avoir en grand écheveau, tellement il est beau. Et ça, violet et forêt, voilà, trois écheveaux. Ça, c'est un kit Le Nectar des Dieux de chez The Woolly Skine qui est magnifique. Et ça, c'était des mini-écheveaux de Noël de Lily sur un fil
que j'avais acheté, je crois, il y a un an. Elle les bradait après Noël. Et je trouve que pour mettre dans des contrastants de Noël ou pour faire des chaussettes de Noël, je sais pas, en jacquard ou quoi, ça peut être très sympa. Et après, j'ai tout ça. Et je pense que tout ça, et même celui-ci, ce sont, à mon avis, des écheveaux de chez The Woolly Skine. Je pense, elle les vend par 5. Et je crois que j'avais plusieurs fois acheté des kits de 5. J'en suis pas sûre à 100%, mais vu le toucher de la laine, je pense que c'est de la The Woolly Skine. Donc, il y a de quoi faire. C'est principalement des mini que je garde pour mettre en contrastant avec mes écheveaux de 100 grammes ou de 50 grammes. J'ai pas pour projet de faire un truc avec les mini. Si je les ai achetés, c'est vraiment dans le but de les mettre en contrastant. Et quand je... Alors, je suis un peu psychorigide, mais quand je fais des chaussettes de teinturière, enfin avec de la laine de teinturière indépendante, je veux que le mini aussi soit de teinturière et pas industriel. Donc voilà, j'ai un panel de choix un petit peu large de mini. Et vous avez vu une partie de mon stock de laine, puisque je vous épargne la laine industrielle, et j'en ai beaucoup, puisque j'en ai une boîte pleine de laine unie et une boîte pleine de laine... Non, j'en ai une boîte... Alors, ça vous indique pas trop la taille des boîtes. Volontairement, je ne vous dis pas. Ce sont des petites, des grosses boîtes. Mais une boîte de laine unie. J'ai une boîte de laine autorayante ou à motif. Ou voilà. Et une boîte de laine de fibre d'été. Voilà. Passion chaussette, passion exagération, passion... toujours dans la mesure. J'espère que ça ne vous aura pas dérangé, ce déballage. Moi, j'adore voir ça chez les autres. Ça ne me rend pas du tout jalouse. Chacun fait ce qu'il veut de son argent avec les moyens qu'il a, malheureusement. Mais voilà, c'est tout pour le rangage de chaussettes, je suis bien contente. Ça me conforte dans l'idée que je ne vais pas acheter de calendrier de l'Avent pour l'année qui vient, c'est-à-dire que ce serait complètement indécent, j'aurais même pas tricoté la moitié de tout ça à la fin de l'année. Allez, je vous laisse, à plus tard. Hello, on se retrouve, on est jeudi. J'ai eu la flemme de venir hier, donc je viens aujourd'hui jeudi. Oh, écoutez, ma foi, hein, c'est pas très grave. Je suis un peu embêtée parce que j'ai pas trop de trucs à vous dire, à vous montrer. J'ai filmé mon panier en cours, je sais que vous attendiez cette vidéo, c'est fait, il faut que je la monte et que je vous la publie. Et j'ai filmé mon bilan créatif 2022. Donc, la semaine dernière vous avez eu, non en début de semaine vous avez eu ma boîte de bas. En milieu de semaine vous avez eu, enfin ce soir, à l'heure où je parle c'est pas encore publié, mon carnet créatif. La semaine prochaine je vais vous publier... attendez, je vais vous publier quoi? Mon bilan 2022 et mon mise en cours de qu'il me reste à la fin 2022. Et la semaine d'après, vous aurez mes 23 envies pour 2023. Et vous aurez eu toutes les vidéos que je voulais vous sortir en ce début d'année. Ouf, je sais, ça fait un peu beaucoup. Je sais que 3 vidéos par semaine, c'est beaucoup. Après vous pouvez la mettre dans votre playlist à regarder plus tard et vous faire ça quand vous aurez le temps, si vous avez envie. Et donc je suis un peu embêtée parce que j'ai pas grand chose à vous montrer, figurez-vous. En faisant les encours, j'ai ressorti ce sac à projet. J'avais oublié, non mais comment j'ai pu oublier, je crois que j'ai la tête trop remplie de plein de trucs, comment j'ai pu oublier que je n'ai toujours pas fini ça, et que ça commence à devenir urgent là, qu'il va falloir s'activer un petit peu. Les moufles, j'ai toujours pas fini les moufles, c'est-à-dire que ça va devenir urgent parce que je voulais les offrir pour Noël la bonne année à la base, donc va falloir que je les termine quoi, à un moment donné. Donc voilà, va falloir que je me remette là-dessus. J'ai tricoté un... Oh, punaise, j'ai un nom qui s'effiloche et ça c'est ultra pénible parce que ça s'accroche dans la laine. J'ai tricoté un cadeau, je ne peux pas vous le montrer avant qu'il ait été offert, donc eh bien vous le verrez plus tard. Et bah, j'ai pas avancé, enfin j'ai que 3 projets sur lesquels j'avance en ce moment. Et du coup, bah, j'ai pas grand chose à vous montrer. Puisque j'ai ma couverture, j'ai mon pull que j'aère de Lucienne Tricotte que je teste pour elle, et mon gilet Bourgeon d'Avril de Virginie, un amour de laine. Donc comme je vous ai montré en début de semaine, le que j'aère de Lucienne Tricotte, je vous le montre pas aujourd'hui. J'ai décidé que maintenant, jusqu'à ce que ces 3 projets avancent, enfin surtout les deux vêtements avancent. Je vous montrerai en début de semaine le Gjaer, mon avancée du Gjaer. En milieu de semaine, mon avancée sur le Bourgeon d'Avril. Et en fin de semaine, mon avancée sur le plaid Woodside Christmas Blanket. Et donc aujourd'hui, on va parler du Bourgeon d'Avril puisqu'on est en milieu de semaine. Et vendredi ou samedi, je vous montrerai où j'en suis de mon plaid.
Je vous avais dit que j'avais mis un peu un coup de collier et que je m'étais un peu fait rouspéter. Je suis allée un peu sur le Discord là donner des nouvelles parce que clairement c'est très irrespectueux pour les designers de se barrer avec leur patron comme ça et de plus filer de nouvelles. Après, il y a Sylvette, donc Silou M, qui teste aussi le gilet et je crois qu'elle le teste dans la même taille que moi ou dans une taille au-dessus, je sais pas. Elle m'a un peu réconfortée parce que elle m'a dit, ah, ça me rassure, je vois que tu es en au même endroit que moi. Inversement, ça me rassure aussi de voir que je suis pas la seule ultra labour et que Sylvette, elle en est à peu près au même stade que moi. Alors, c'est un gilet qui est très long à faire, hein, faut pas se leurrer. J'ai encore du temps, je pense que je l'aurai fini dans les temps, mais après, c'est un gilet en fingering avec de la dentelle sur l'endroit et sur l'envers. C'est un gilet, donc rang endroit et rang envers. Moi, je le fais en plus en noir. Alors, je tricote avec ma Petzl tout le temps, elle est là-bas. Mais j'ai ma lampe frontale hein, pour tricoter ce gilet. Mais voilà, ça fait que le Gjaer et le gilet bourgeon d'avril, je les tricote dans les mêmes numéros d'aiguilles. Mais comme c'est pas du tout la même technique, le bourgeon d'avril. Qu'est-ce que tu fais, Perle? Le bourgeon d'avril me paraît beaucoup plus long à tricoter. Déjà, rien que par les rangs envers qui ont tendance à me provoquer des douleurs, ce que l'endroit ne me provoque pas. Et dans le Gjaer, là, je suis en ce moment dans du corps en rond, donc ça avance tout seul, quoi. Là, le bourgeon d'avril, il faut être concentré sur la dentelle tout le temps. Je suis à peu près à 20 rangs de la séparation du corps et des manches dans les raglans, donc je vous montre. J'ai hâte parce que commence à y avoir beaucoup de mailles. J'ai un petit câble, j'ai pas envie de changer de câble. C'est un peu serré. Et puis j'ai hâte d'avoir moins de mailles, quoi. J'ai surtout hâte d'avoir moins de mailles. Alors, oui, tout à l'heure, j'ai vu que ça faisait des nœuds, mon affaire là. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Ça fatigue. J'ai vu que ça faisait des nœuds et que ça me fatigue beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, j'ai pas rentré les fils et c'est un tort. Et c'est ce fil-là qui fait des schmilblicks. Je vais le rentrer parce qu'il va m'énerver sinon. Et oui, donc je suis à une vingtaine de rangs de rentrer les. De rentrer les fils. De rentrer les fils, non mais n'importe quoi. Si j'étais à 20 rangs de rentrer les fils, ce serait merveilleux. Je suis à 20 rangs de séparer le corps et les manches. Et après, ça ira déjà un peu mieux, puisque bon, le corps, ce sera de l'aller-retour. Mais ce ne sera que de l'aller-retour. Et les manches, ce sera de la dentelle, mais ce sera des rangs qui seront courts. Je pense que quand j'en serai à la séparation corps-manche, je finirai la pelote en cours sur le corps, comme je suis en train de faire sur Lucienne, enfin sur mon Gjaer d'Élise. Et après, je ferai les manches directement. Non, sur Élise, j'ai décidé de faire le corps d'abord. Mais chez Virginie, je vais faire les manches d'abord parce que c'est les manches qui demandent du travail. Et donc, c'est sur ça qu'il faut porter de l'attention. Ah, ça m'agace! C'est hyper relou, hein. Voilà. Bien, vu que c'est de l'alpaga, j'espère, mon Dieu, que ça ne va pas. Pourquoi c'est relié à deux endroits différents? Mais qu'est-ce qui se passe? J'espère que ça ne va pas se détendre trop. J'ai un peu peur de ça, que ça finisse trop mou, trop détendu, trop. Faut vraiment que je rentre les fils, hein, parce que là, ça ne va pas du tout. C'est du n'importe quoi. Et moi, je comble en. Je meuble en baratinant le temps de démêler ça. Oui, Perle, qu'est-ce que tu viens meubler avec moi? D'accord. D'accord. Ouh là là, mais quoi, mais quoi, mais quoi? Perle, tu veux pas m'aider à démêler le fil? Non, tu t'en fous. Ok, j'ai compris. Aïe, 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 mais qu'est-ce qui se passe? Bon, vous allez me dire, mais tu peux pas couper la vidéo là au lieu de nous faire suer que ton déménage de fil? Non, attendez, j'arrive. J'ai été sur Instagram un petit peu ce matin là et j'ai vu Imogène, donc qui teignait de la laine mais qui ne teint plus, qui parlait de son chien qu'elle avait perdu là. Décidément, elle a eu tellement de problèmes avec son chien. Elle l'avait perdu physiquement il y a quelques mois en balade et là, elle l'a perdu, il est décédé parce qu'il a mangé du chocolat. Et on sait que pour les chiens, c'est fatal et ça me rend tellement triste. Voilà! Oui, alors d'accord, il y a un long fil ici parce que. Ah oui, c'était la fin d'une pelote. Ok, bon, je vais rentrer tous les fils avant de continuer parce que c'est insupportable. Donc, la dernière fois que j'étais venue, c'était là, le Progress Keeper. Et donc, en je sais pas combien de temps, un peu moins d'une semaine, j'ai fait ça. C'est pas énorme, hein, c'est pas énorme, mais regardez-moi le nombre de mailles que j'ai sur les aiguilles là. Et l'épaisseur du fil, quoi,
C'est hyper fin. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est à vous que je le disais. Je ne crois pas que c'est à vous que je le disais. Mais là, je tricote en aiguille 3 avec un échantillon de fingering assez serré. Avec de la Baby Alpaca Silk qui a 167 mètres pour 50 grammes. Donc en vérité, qui est plus proche d'un grammage sport. Personnellement, je la trouve ultra fine. Hein. Pour moi, elle est aussi fine que de la laine à chaussettes. Clairement, elle n'est pas plus épaisse que du 400 mètres pour 100 grammes. Et de toute façon, au niveau échantillon, j'ai un échantillon de fingering. Et mon amie Dame Florette, j'ai regardé son épisode l'autre jour. Coucou Dame Florette. Je vais déplacer mon Progress Keeper pendant ce temps. Tricote le Stripes d'Andrea Mori. Avec de l'alpaca, donc pas de la Baby Alpaca Silk, mais de l'alpaca de chez Drops, mais qui a le même métrage, qui a le même métrage. Et elle le tricote en 4, donc ce qui est énorme pour de la fingering. Moi, je crois que la fingering, au grand max, je la tricote en 3,5, 3,75 pour les châles, et je trouve ça un peu déjaugé, quoi. Et je trouve que ça rend trop bien. Je trouve que ça rend trop bien. En plus, je sais qu'elle tricote plus large que moi. Et je trouve que son Stripes en 4, ça rend trop trop bien. Alors, le Stripes, à la base, c'est un... Eh, Perle, attends 2 minutes. Perle veut sortir. C'est un pull tricoté en déca. Elle, elle l'a fait en fingering avec un échantillon... Enfin, du coup, en sport. Mais moi, je trouve que l'épaisseur du fil, clairement, on est plus proche de la fingering que de la sport. Par exemple, ce fil-là, qui a un métrage sport, il n'a rien à voir avec mon fil... De mon, rappelez-vous, mon châle plumpy que je fais avec la bien-aimée qui est un métrage sport aussi. Vous mettez les deux fils côte à côte au niveau de l'épaisseur, ça n'a rien à voir. Bref, et donc, elle tricote le Stripes en 4 avec de l'alpaca et ça rend trop bien alors qu'elle tricote plus lâche que moi et que moi j'ai jamais tricoté de la fingering en 4. Du coup, est-ce que vous avez déjà tricoté de l'alpaca? Parce qu'en vérité, moi je n'ai jamais tricoté de l'alpaca de Drops. Est-ce que c'est une laine qui gonfle? Est-ce que c'est une laine qu'on peut facilement tricoter avec des aiguilles supérieures? Parce que franchement, quand elle l'a montré, j'ai trouvé que ça rendait trop bien. On n'avait pas l'impression que c'était déjaugé. Enfin, j'étais bluffée. Donc, je veux bien vos témoignages sur l'alpaca. Est-ce que vous la tricotez avec comme une fingering avec des aiguilles 3, 3,5? Est-ce que vous la tricotez plutôt comme une déca avec des aiguilles 4? Je sais pas. Voilà, parce que là, je suis sur des aiguilles 3 et clairement, j'ai exactement le même échantillon que Virginie. Donc, digression faite sur l'alpaca, voilà où j'en suis. Vous ne verrez rien, je vais vous montrer de l'autre côté parce qu'il n'y a pas de fil qui pendouille. J'en suis là. Je pense que vous ne verrez absolument rien. Ça fait des sortes de motifs de feuilles et j'en ai fait combien? 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai fait 5, voilà. Et je pense que je vais encore en faire 2 d'ici à séparer le corps et les manches. J'ai hâte. J'ai hâte parce que ça commence à être un peu serré là-dedans. Et en plus, la bande d'encolure est à faire après coup. Et ça va être du boulot parce que c'est une bande d'encolure qui n'est pas en côte, mais qui est en jersey double. Ça rend hyper bien, mais c'est du taf. Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je crois que je voulais juste vous dire qu'il y a Nadia Crétin-Léchaine qui a sorti son pull Nikki que j'avais vu chez Lauriane, qu'elle était en train de tester. Et je le trouve... sublime, voilà, tout simplement, le pull Nikki, j'aime trop, les pulls de Nadia, j'aime beaucoup, Perle, 2 minutes, s'il te plaît, et les pulls de Nadia, j'aime beaucoup, et les, oh oui, 2 minutes, je sais plus ce que je voulais dire, et le jacquard, j'aime beaucoup, voilà, et il a pas l'air compliqué, et il est très beau, et j'ai vu qu'il était sorti aujourd'hui, je crois, donc, vu qu'il n'y a plus de sélection de patron, là, je peux juste vous parler de celui-là, parce que je m'en rappelle, voilà. Perle, elle râle parce qu'elle veut que je lui ouvre. Je vais faire ça, Perle, dans 2 minutes. Viens faire coucou. Mais il y a beaucoup de vent. Oui, viens faire un coucou. Oui. Voilà, allez, sur ce, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. On se retrouve demain ou samedi pour clore le journal créatif. Je vous montrerai... ma Woodside Christmas Blanket, je regarde là parce qu'elle est là. Bah ça a avancé, hein. J'ai suivi mon petit rythme pour l'instant de 4 ronds par jour. Je n'ai pas failli et je suis bien contente. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir vachement moins de trucs à vous montrer parce que j'ai pas la sélection de patrons, j'ai plus la sélection de vidéos. Vous m'avez dit que vous aviez bien aimé quand je vous montrais mes encours et tout, mais j'ai pas non plus très souvent des trucs à vous montrer. Normalement, je vous aurais mis juste avant, j'ai fait des sablés hier. Avant-hier, hier. Je fais des sablés.
Oui, c'est plus Noël. Mais ça m'a pris comme ça. Je n'avais pas fait de sablé depuis plusieurs années. Et ben là, j'avais des œufs à terminer et j'avais envie de me faire une quantité assez grosse de gâteaux qui puisse me durer longtemps. Et l'avantage des sablés, c'est que ça se conserve bien. Alors, c'est très long à faire, c'est salissant pour la cuisine, mais ça se conserve bien. Donc, j'ai fait 3 fournées de sablés. Et bien, vous m'en voyez ravie puisque j'ai des petits gâteaux pour un bout de temps. Voilà. Allez, je ne vais pas baratiner plus longtemps. Si, je voulais vous dire. J'ai regardé la vidéo de Lysandre où elle est avec tous les membres de sa famille. J'ai adoré le principe. En fait, elle a filmé une vidéo où elle est en duo avec sa petite sœur, sa moyenne sœur, enfin, chacune leur tour, sa cousine et sa maman. Et chacune présente ses projets en cours, ses projets terminés, etc. J'ai trouvé ça absolument génial. J'ai adoré le concept. Malheureusement, moi, je ne peux faire ça avec personne. Je n'ai pas de sœur. Ma mère ne tricote pas. Mes cousines non plus. De toute façon, on n'est pas proches. Voilà. Donc, moi, je fais avec Perle les podcasts. Mais en tout cas, allez le voir. J'ai trouvé ça très original et très sympa. Et je crois que ça ne filme plus. Attendez, je sais pas si ça a coupé avant ou pas. Oh là là, on est pas un peu. Attendez, je vous essuie. Alors, quand on est fou, quand on est sale plutôt. Ah, c'est mieux. Mon téléphone est en train de me dire que j'avais plus de batterie. Je croyais qu'il me disait que j'avais plus de stockage. Ce qui pourrait arriver aussi. Je ne sais pas si j'ai été coupée juste avant ou pas. La vraie vie, tout ça, le vlog, vous aimez. Donc, je sais pas, on verra au montage ce que je fais. En attendant, j'arrête là et je vous dis à demain ou à samedi pour clore ce journal. Hello, on est samedi, on se retrouve pour clore ce journal créatif. Je voulais venir hier et j'ai eu la flemme. J'ai eu la flemme. On est toujours sur téléphone. Je n'ai pas de nouvelles de mon ordinateur. Le réparateur est toujours dessus. C'est peut-être bon signe, hein, qu'il peut le réparer. Si c'était foutu foutu, il m'aurait dit c'est foutu foutu. Voilà, c'est mon père qui gère le truc parce que c'est son réparateur habituel qui connaît bien, qui lui a déjà fait plein de trucs. Donc moi j'avoue que j'ai assez de charge mentale comme ça, je ne gère pas. Mais ça commence à m'inquiéter un petit peu. Voilà, mais bon, bref, je porte toujours mon Primula sweater de You Need to Learn, que j'aime beaucoup. Et la semaine prochaine, je vais pouvoir ressortir mon pull chat en alpaga, en lima de drops, il va faire des températures négatives une grosse partie de la semaine prochaine et ça me réjouit. Oui, parce qu'on peut sortir les bonnets, on peut sortir les headbands. Bon, j'ai pas de bonnets, j'ai des headbands, on peut sortir les gros châles, on peut sortir les gros pulls. Je n'ai toujours pas fait de paire de moufles pour moi, tant pis, ça viendra. Et rien à voir, mais ma copine Dame Florette a presque fini son Stripes de Andrea Mori. Si vous l'avez fait, dites-moi si vous ça gondole ici aussi, parce que visiblement ça le fait une fois sur deux. En tout cas, elle l'a fait en alpaca de drops et j'ai trop 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 envie de faire la même chose. Voilà, sachez-le. Je n'ai pas d'alpaca à la maison. Je n'ai pas passé de commande ni rien, mais peut-être qu'un jour en 2023, ça viendra. Voilà, parce que j'en ai bien envie. Aujourd'hui au programme, je voudrais vous montrer le dernier projet du coup sur lequel j'ai tricoté et que j'avais dit que je vous montrerai, puisque je vous ai dit qu'en début de semaine, je vais vous montrer l'avancée de mon Gjaer de Lucienne Tricote, qui est un pull que je teste. En milieu de semaine, je vous montre l'avancée de mon gilet bourgeon d'avril, qui est aussi un test. Et en fin de semaine, je vous montre mon dernier projet tricot, qui est ma couverture. Ensuite, je voudrais vous parler rapidement d'un petit truc que j'ai fait. Et ensuite, je voudrais vous faire un petit truc inhabituel. J'ai jamais fait ça ici, mais ça m'amuse. Donc, on fera ça après. Commençons par le tricot. Donc, aujourd'hui, je vous parle de ma couverture, qui est la Woodside Christmas Blanket, qui est un modèle gratuit tout en jacquard, que je range dans ce sac qui m'a été offert bien dans mon calendrier de l'Avent, et je tricote ça en Charisma de Drops, puisque c'est du 100% laine, c'était en promo au moment où je voulais faire la couverture, ça se tricote en 4, c'est très bien pour une couverture qui soit pas dans un budget excessif, et je fais ça dans un camaïeu de violet rose pour que ça aille avec mon canapé qui est rose. Et je ne voulais pas passer énormément de temps sur une couverture qui soit juste une couverture très connotée Noël, que tu ne peux sortir que de mi-novembre à mi-janvier, quoi. Là, clairement, ça fera un plaid d'hiver, un plaid tout court, que je peux sortir, je sais pas, d'octobre à avril, et ce sera très bien. Alors, ce sera très chaud, donc voilà, ça dépendra. Si on a un mois d'octobre, comme cette année, autant vous dire que c'était l'été. Mais voilà, ce sera très bien. Donc, mon avancée depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, ça doit faire approximativement une semaine. Alors, attendez, j'ai mis un progress skipper. Voilà. Alors,
Je vais essayer de faire un peu de suspense, mais je ne sais pas si je vais arriver. Là, on avait les côtes qui sont normalement des côtes de 2. Moi, j'ai fait des côtes de 1, c'est pas grave, ça change pas grand-chose. C'est à l'envers, je sais, vous le verrez à l'endroit après. On a les sapins qui sont là, que j'avais fait. J'avais avancé sur les chevrons et je vous avais laissé, j'étais dans les étoiles nordiques. Mon progress keeper, il est là. Et qu'est-ce que j'ai fait du coup depuis la dernière fois? Attendez, ça vient. Voilà. Ça rebique un peu, ça m'agace. Je ne vous cache pas que ça m'agace parce que j'ai du mal à vous montrer vu que c'est du jersey. Voilà, j'en suis là. Donc j'ai fait de ici jusqu'à là, ce qui est pas mal. J'avoue que les étoiles norvégiennes à la fin, j'en avais un peu marre parce que c'est quand même du jacquard où il faut compter, réfléchir, machin. C'est moins pénible que les sapins, mais c'est quand même assez compliqué. Mais c'était agréable. Et après, bah, ça, c'était agréable à faire, simple. Et là, la section que je reprends, elle n'est pas très compliquée. Il y a deux sections encore avant d'avoir tout fini. Et c'est des petites sections assez simples de ce genre-là ou là. Voilà. Mais c'est, j'aime bien le rendu des couleurs. Je ne sais pas trop comment vous voyez. En plus, j'ai pas de retour. Enfin, j'ai un miroir derrière accroché à ma télé, mais clairement, ça ne fait pas un retour merveilleux. Voilà. Je ne sais pas trop ce que vous voyez, mais je pense que vous voyez bien. J'aime beaucoup. C'est très agréable à faire. Après, faut prendre le rythme. C'est du jacquard sur l'endroit, sur l'envers. Personnellement, je tricote avec un fil dans chaque main, que ce soit sur l'endroit ou sur l'envers. Sauf certains rangs envers où j'avais pas la foi de faire de la continentale. Donc j'avais les deux fils du côté droit, mais il fallait lâcher le fil, c'était pénible. Mais maintenant, je m'y suis faite aux mailles envers à la continentale. Par exemple, là, ce matin, j'ai fait des rangs 1-1. Clairement, les rangs 1-1, je les ai fait avec un fil dans chaque main. Il n'y a pas photo, je lâche pas le fil pour une maille, quoi. Donc ça roule, voilà, je commence à m'y faire. J'aime bien. Hein. Je trouve que ça rend bien et ça ira bien avec mon canapé. Et voilà, je trouve que ça rend très bien. Je suis très contente de faire ce plaid, même s'il est gigantesque. Je vous ai dit que je l'avais rallongé. Et ma foi, bah, il est grand. Mais c'est pas grave, ça fera un gros plaid. C'est beaucoup de boulot, mais au moins je serai très contente de l'avoir fait quand je l'aurai fait. Pas de plaid tous les ans, hein, faut pas déconner non plus. Mais je serai très contente. Voilà, le seul risque que je me dis, c'est que là, je suis dans la motivation. Je fais 4 rangs par jour, à peu près. Il y a des jours où j'en fais 3, il y a des jours où j'en fais 5. Mais j'ai peur qu'une fois que j'aurai essayé tous les motifs, bah, j'ai plus envie de continuer parce que c'est bon, j'ai fait tous les motifs une fois, ça va quoi. Mais non, il faut continuer. Elle est très grande, c'est long. Clairement, 4 rangs, ça me prend une heure, plus ou moins en fonction des rangs et tout ça. Mais voilà, j'ai bien hâte de la voir monter. Et là, on commence à avoir une taille qui permet de voir monter les choses. Je vais déplacer le Progress Keeper tout de suite. Tac, attendez. Hop, voilà. J'étais dégoûtée, c'était hier. J'ai tricoté tout un rang à l'endroit. Heureusement, c'était pas un rang vert. Et arrivé à la fin du rang, à la toute fin du rang, j'allais faire le rang suivant. Je me dis, c'est pas possible, il y a un problème. Qu'est-ce que j'ai fait? Je m'étais trompée. Et je m'étais pas trompée dans le jacquard. Je m'étais trompée de rang, tout simplement. J'avais lu la mauvaise ligne du diagramme. Oh, j'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée. Voilà. Voilà, j'ai déplacé le Progress Keeper qui est donc arrivé ici. Et si vous voulez voir l'envers du décor, voilà ce que ça donne. Sachant que, comme je vous l'ai dit, sur tous les rangs en droit, je croise les mailles à partir de 5 mailles. À partir de 5 mailles, je fais un croisement. Et sur les rangs envers, par contre, flemme, je fais un croisement à partir de 7 mailles. Voilà, je croise sur 7 mailles et plus à l'envers et sur 5 mailles et plus à l'endroit. Et franchement, ça va, je trouve. Hein, l'envers du jacquard, il est pas mal. Il est pas mal. Voilà pour mon petit, oui, c'est un euphémisme, mon petit plaid qui est comme ça et que je suis très contente de faire. Mais je ne vous cache pas que j'ai assez hâte de l'avoir fini pour être focus à fond sur des pulls, des gilets, des tops et tout ça. Sachant que ça rejoint parfaitement, du coup, transition parfaite pour ce que je vais vous dire. En ce moment, du coup, je suis focus sur deux projets que je dois finir puisque ce sont des tests. Et ce sont des tests en figurine. Mais ensuite, j'ai décidé de copier un peu mon amie Dame Florette. Vous savez, elle a, si vous avez regardé son dernier podcast,
Elle s'est fait un petit pochon à tirer avec ses projets en cours qu'elle doit terminer et un petit pochon à tirer avec ses projets qu'elle aimerait castonner. Et elle tire au début d'un mois un projet de chaque et son but c'est dans les 2 mois qui viennent de finir les deux. C'est une idée géniale. Moi je vais pas faire ça parce que je sais que avoir comme objectif finir le projet, ça va peut-être me restreindre trop au niveau de ce que j'ai envie de tricoter, des techniques, tout ça. Mais par contre, j'ai pris du coup 2 petits sacs aussi. Là-dedans, j'ai listé tous mes encours actuels, sauf la chaussette fil d'art. Les chaussettes, vraiment, c'est un truc que je compte pas dedans, sauf si c'est une grosse chaussette en jacquard, je sais pas, ou un truc. Mais ma chaussette fil d'art, elle est pas dedans. C'est vraiment la chaussette que je vais reprendre là quand j'aurai besoin de zéro cerveau. Enfin, là, j'ai un peu de zéro cerveau sur le pull de Lucienne Tricote, mais voilà, la chaussette fil d'art est pas dedans, mais tout le reste est dedans. Et j'ai fait un pochon. Là, avec, pour l'instant, il n'y a que 3 papiers, je crois, parce que je m'étais fait dans mon téléphone une liste, mois par mois, des projets que j'aurais envie de castonner. Déjà, on est qu'au début 2023, il y a encore plein de patrons qui vont sortir, tout ça. Mais en gros, j'ai une liste d'à peu près 3 projets par mois, pour être 3-4 projets par mois, que j'aimerais faire. C'est carrément infaisable parce que déjà rien qu'au mois de janvier j'ai pas du tout castonné ce que je voulais castonner puisque je suis sur les tests, mais voilà, dans l'idée c'est ce que j'aimerais faire. Alors c'est pas forcément 4 gros projets hein. Ça peut être un gilet, un châle, je sais pas, un pull et un bonnet, ou un gilet, un top, une paire de moufles et un bonnet, voilà. Mais donc là, les projets que j'avais prévu de castonner au mois de janvier, que je voulais castonner, je les ai mis là dedans Et je rajouterai au fur et à mesure tous les mois, du coup, sauf si mes envies changent, je ne contrains pas du tout à ne pas changer mes plans. Mais dans mon téléphone, du coup, j'ai ma petite liste mois par mois et je vais rajouter les papiers mois après mois là-dedans. Et mon objectif, c'est dès lors que j'aurai fini les tests, je pense dans 2-3 semaines, je pense peut-être avoir fini le pull de Lucienne Tricote dans 2 semaines. Et il me faut encore au moins 3 semaines de boulot sur le gilet qui est vraiment un mastodonte. Bref, dès que j'aurai fini ces 2 trucs-là, la couverture, elle compte pas, elle est à part, c'est le truc, le fil rouge. J'irai piocher 1 de chaque par semaine. Non pas dans le but de les finir en une semaine, mais de travailler dessus pendant une semaine. Donc, forcément, le projet, le nouveau projet castonné, une fois qu'il aura été commencé, il atterrira dans le pochon à encours. Et l'encours que j'aurais pioché, je le remettrai dans le pochon jusqu'à ce qu'il soit terminé. Et donc ça pourrait être rigolo que le dernier jour du journal créatif, on tire ensemble qu'est-ce que je vais castonner cette semaine et sur quel encours je vais travailler. Et j'aimerais bien qu'au fur et à mesure, il y ait des encours qui se terminent. Hein, on va pas être... voilà. Il y a des encours hein, qui sont pas très bons d'être finis, que je peux largement finir en une semaine dans mon panier. Donc voilà, et je trouve ça rigolo. Et certes, ça fera beaucoup d'encours, puisque si je castonne 1 truc par semaine, ça sera énorme, sauf si c'est une paire de moufles, et je peux faire une paire de moufles en une semaine, hein, y a pas de... enfin, je pense que ça peut le faire. Voilà, donc ça, c'est mon objectif plus loin. Dernier... qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, j'ai ressorti aussi, ça c'est un de mes objectifs de la semaine prochaine. J'avais complètement oublié ce sac à projet. Je l'ai ressorti en vous filmant la vidéo de mes encours. Et ce sont les moufles pour mes amis que j'ai commencé, mais que j'avais mes zappés. Mais alors, j'étais à fond dans mes tests. Et comment vous dire que les moufles n'existaient plus dans ma tête. C'était fini. Sauf que bah j'ai une moufle de chat, qui je vous avais déjà montré, je crois. Et une demi-moufle de la... oh, c'est doux, hein, c'est vraiment doux. Une demi-moufle de la... de la grise, donc il faut absolument que je les termine. Ça, c'est vraiment un objectif. Quitte à mettre un tout petit peu les tests en pause la semaine prochaine, le temps de finir les moufles, il faut absolument que je les termine. Et donc, la semaine prochaine, 3 projets, ma couverture, mon test de gilet et mon test de pull, et rien d'autre tant que les tests ne sont pas finis. La semaine prochaine, je pense que je vais aussi vous parler d'un cadeau que j'ai tricoté, et je pense que je pourrai vous en parler la semaine prochaine, puisqu'il aura normalement été offert. Et dernière chose pour ce journal créatif, vu que je ne vous parle plus de vidéos ni de patrons, alors que des vidéos j'en regarde, j'en ai regardé pas mal. Alors j'étais étonnée là, il n'y a pas de vidéo de Loli Pelote hier soir alors qu'elle a dit tous les vendredis, je sais pas quelle heure.
Je me suis dit, c'est bizarre. Ou alors, elle a eu un souci de montage et ça va arriver dans la journée. Mais on devient un gros, c'est fou. J'ai regardé quand même Mathilde Tricote, son bilan créatif. J'ai adoré. Je te fais des bisous. J'ai regardé le bilan créatif de Caro Chouloulout. Il dure 1h47. J'ai l'impression d'avoir passé 5 minutes avec toi tellement c'est passé vite. Je tricotais. J'ai beaucoup aimé. Je te fais des gros bisous, Caro. J'ai regardé Nathalie By Night. Son bilan, c'était super aussi. Je sais plus ce que j'ai regardé d'autre. Enfin, j'ai regardé plein de vidéos. C'était très, très chouette. Voilà, dernier petit truc un peu hors du commun que j'avais envie de mettre, puisqu'il n'y a plus de patron, il n'y a plus de vidéo dans ce journal créatif. J'avais envie de sortir mon oracle de l'écheveau solidaire que j'ai eu dans la box l'année dernière, que je n'ai jamais sorti. Alors vous allez dire, oulala, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Je ne suis pas à fond du tout dans tout ce qui est sorcellerie, dans tout ce qui est tarot, dans tout ce qui est oracle, dans tout ce qui est cartomancie, numérologie, etc., etc., vraiment pas. Par contre, j'ai pas mal d'oracles d'ailleurs qui sont rangés là, qui sont plutôt, qui sont pas des oracles à proprement parler, avec des arcanes, des machins, des trucs. C'est des cartes, pour la plupart, de réflexion ou de phrases positives. Voilà. Et j'aime bien, de temps en temps, quand j'y pense, tirer une carte le matin et ça me donne un axe de réflexion pour la journée ou alors un coup de boost. Genre, je sais pas, regardez autour de vous tout ce qu'il y a de beau, vous allez passer une merveilleuse journée. Paf, ça, alors ça peut paraître un peu cucu, si on a plein de problèmes, on peut dire ça, voilà. Mais j'aime bien, ça met du baume au cœur. Enfin, je sais que vous êtes pas mal à comprendre, parce que j'avais déjà fait des tirages comme ça dans mon vlog au naturel, et j'avais beaucoup de retours positifs. Donc, je me suis dit que pourquoi pas faire des petits tirages de temps en temps ici, non pas des tirages de dans ta vie, comment ça va aller au niveau boulot, l'amour, machin, le truc, mais voilà, pour donner de l'inspiration, pour donner des petites phrases positives, des petits axes de réflexion. J'aime bien cette introversion aussi, de se remettre en question, de réfléchir. Donc, j'ai décidé de sortir l'oracle de l'écheveau solidaire que je n'ai jamais sorti ni lu pendant un an. Et on va faire un petit tirage ensemble. Alors, je ne l'avais pas du tout regardé. Dans l'oracle, il y a 3 types de cartes. Clairement, on ne va pas se prendre la tête à utiliser les 3 types de cartes aujourd'hui. Il y a les cartes classique, voilà, je suis désolée, j'ai de la lumière à droite et du coup ça fait une vieille ombre toute pourrie. Ça, ce sont les jokers, on va les utiliser, visiblement ils sont complémentaires des cartes classiques. Et il y a des cartes comme ça, je ne sais pas trop ce que c'est, on va pas les utiliser aujourd'hui. Moi généralement mes oracles à moi c'est plutôt des, c'est même pas vraiment des oracles, c'est des petites cartes de méditation quoi, et c'est très simple, on pioche une carte, on est content, voilà. Donc, d'après ce que j'ai compris, il faut piocher une carte comme ça en complément d'un joker. Ce qui fait que je vais faire un tirage de 3 cartes avec leur joker associé, sans regarder bien sûr pour vous. Alors j'aurais pu retourner la caméra, faire ça sur une table, tout ça, mais flemme. Donc je vais faire ça, vous ne verrez pas quand je vais tirer les cartes, mais voilà. Hein. Et vous choisirez une des 3 cartes et ensuite je vous dirai ce qu'il est écrit. Donc j'ai remué mes cartes normales, je vais remuer mes jokers et c'est parti, je fais le tirage. Alors on dit qu'il faut se mettre dans la pleine conscience, tout ça, donner de l'intention. Alors dans l'explication du le livret du truc, il est marqué de poser une question ouverte, surtout pas fermée évidemment, pour donner de l'intention. Ou alors on peut carrément faire un tirage pour donner un élan à la journée. Et moi c'est ce que j'ai envie de faire, je me pose pas de questions, juste qu'est-ce que... Quel message la vie a envie de me faire passer aujourd'hui? Alors c'est parti, je fais mon tirage. Enfin, vous voyez rien, c'est vachement bien. C'est hyper intelligent, merci Manu. Ah, c'est marrant, elles ne sont pas toutes exactement de la même couleur. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Voilà, j'ai tiré les 3 cartes du paquet principal. Maintenant, je vais tirer les 3 jokers qui vont avec. Alors, nous avons donc 1, 2 ou 3. À vous de choisir donc en haut, au milieu ou en bas, quelle carte est pour vous aujourd'hui. Moi, je vais prendre celle du haut. Voilà, j'ai cru qu'il y avait un arc-en-ciel, pas du tout, c'était ma lumière. Donc voilà, en haut, au milieu ou en bas. Donc, alors, en haut, qu'est-ce que sont les cartes? Le joker, c'est réussite. Apprendre à étudier, se remettre en position de débutant. Ça, c'est vachement dur, hein, mais c'est hyper important. J'aime bien les cartes, elles sont... Alors, pas celle-ci, mais celle-ci, elle est brillante, je vais vous montrer. La loi du respect, c'est aussi le pardon à soi, aux autres, une invitation à la tolérance. Donc,
Ce qui est marqué dans le livret, c'est que les cartes sont complémentaires. Voilà, le Joker est censé donner un éclairage sur la carte en dessous. Donc je vous relis la carte en dessous, c'est la loi du respect, c'est aussi le pardon à soi, aux autres, une invitation à la tolérance. Et la Joker, c'est la réussite, apprendre à étudier et se remettre en posture de débutant. Alors je sais qu'il y a des trucs écrits dans le carnet, page 43, est-ce utile ? Oui, bon, c'est tout en baratin sur le respect, donc non. Si vous avez choisi la carte numéro 2, la carte principale, c'est tourner en rond. Pouvoir créateur ou destructeur, tu as le choix. Donc, voilà pour la carte. Et le Joker, c'est créativité, c'est le moment du renouveau. Donc, c'est marrant, ça tourne autour de la créativité les deux, puisque pouvoir créateur, destructeur... ou destructeur, et c'est le moment de la créativité. C'est très confus ce que je vous lis, ça aurait été bien plus fluide si je tournais. Voilà, si vous avez choisi l'association numéro 2, c'est ça. Vous pouvez mettre pause pour regarder. Et l'association numéro 3, la carte principale, c'est repose-toi, tu peux compter sur les autres. Et le Joker, c'est bonheur, tout est permis, abondance, amour et réussite. Et je trouve les cartes très jolies, très simples, mais très très jolies. Voilà. Donc si vous voulez lire plus en détail, enfin je mets mes doigts dessus, c'est vachement bien. Vous faites pause, vous lisez. Et voilà, donc ça c'est le troisième. Et je vous remets le premier. D'ailleurs je voulais vous montrer la carte qui brillait. Je ne sais pas si vous allez voir, elle est toute brillante la colombe. Ah si vous voyez, voyez. Voilà, et là vous pouvez mettre pause pour lire. Donc moi mon message du jour c'est la loi du respect, le pardon, la tolérance et la réussite. Apprendre à se remettre en question. Moi ça je le fais souvent. Bref, je ne sais pas si ça vous a plu. On pourra refaire avec d'autres oracles, pas forcément celui-ci, mais je trouvais ça rigolo de prendre celui qui est lié avec le tricot. Mais mes autres oracles sont plus simples, hein, c'est genre une petite phrase positive. Voilà, on pourra refaire ça. Moi, je trouve ça très amusant. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve, je pense, dimanche, donc demain ou lundi, pour le début du nouveau journal créatif. J'espère que ça ne sera pas trop rébarbatif pour vous d'avoir toujours les mêmes projets. Mais j'ai hâte qu'ils soient finis, là, les projets... Les deux projets en cours, mais c'est pas prêt d'être fini parce que c'est de la fingering. J'espère que ce format vous a plu quand même. Voilà. Allez, je ne vous retiens pas plus longtemps. Merci d'être là. Merci pour vos petits mots. Des bisous aux copines qui passeront par là. Ah oui, je voulais vous dire, j'ai d'autres vidéos à vous publier hors série. Mais je ne sais pas si je vais continuer sur un rythme de 2 par semaine. En plus du journal créatif. Parce que ça fait beaucoup. Et j'ai l'impression que ça fait trop pour vous. Et je comprends, voir ma tronche 3 fois par semaine, clairement, ça fait beaucoup. Ça mange beaucoup de temps, voilà, donc peut-être que pour les 3 dernières vidéos qu'il me reste à publier, à savoir les en cours de fin 2022, le bilan de 2022 et 23 envies pour 2023, je vais probablement les publier le mercredi sur les 3 prochaines semaines. Voilà, c'est pas grave si le bilan il arrive fin janvier, on s'en fout quoi. Par contre, je me demandais aussi si vous préférez une publication, par exemple, le mercredi matin vers 6h15, c'est ce que j'avais fait, je crois, pour l'autre, ou le mercredi soir vers 18h. Dites-moi si vous avez une préférence pour le matin ou le soir. Pourquoi je demande? Parce que vous pourriez me dire, mais on s'en fout. Mais en fait, c'est parce que plus il y a de gens qui regardent la vidéo rapidement une fois qu'elle est publiée, plus YouTube va la montrer aux gens qui sont abonnés et éventuellement à d'autres. Et inversement, moins il y a de gens qui vont regarder la vidéo rapidement après qu'elle soit sortie, moins YouTube va la montrer, même aux gens qui sont abonnés. Par exemple, si vous admettons que vous n'avez pas regardé, j'en sais rien, mais 2 ou 3 dernières vidéos, et ben il est probable que YouTube ne vous montre plus mes prochaines publications, même dans vos trucs d'abonnement, parce que c'est comme ça l'algorithme. L'algorithme, ça marche à bourrinage. Voilà, c'est tout. Donc, est-ce que vous préférez les publications des hors-série tôt le matin en semaine ou plutôt genre après le boulot à 18h le soir? Dites-moi. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine.